Il y a quelque temps, j'avais vu un barbecue qui m'intéressait d'une façon incroyable. Quelque chose d'unique, de spécial. Et j'ai découvert le nom, Father's Cookers. Mais ma plus grande surprise, ça a été de savoir que c'est ici, à Saint-Augustin, en banlieue de Québec, où on retrouve les Father's Cookers, les barbecues. Donc, on rencontre le président fondateur de Father's Cookers, Frédéric Rayon. Bonjour, Monsieur Bajot. Vous allez bien? Yes, sir. Hey, Frédéric, c'est incroyable, ce barbecue-là. C'est de... faut que tu m'expliques comment vous avez créé ça. C'est né, ça fait depuis plus de 7 ans. Malheureusement, la pandémie elle nous a retardés comme plusieurs de 2 ans. Ça a commencé en janvier 2014, chez moi, au Lac-Saint-Charles. Moi, je suis un passionné d'acéricole. Ah oui? Oui, un passionné d'acéricole. Et voilà, notre produit, notre fierté canadienne, si on peut dire. Ah oui. Moi, ça a commencé, j'avais 88 entailles chez moi. Il n'y avait pas d'équipement résidentiel qui existait. Il y a toujours un barbecue sur notre balcon. C'est à partir de là que l'invention a commencé, que Father's Cooker est né. Entre deux érables, souvent, qu'on dit. ça a commencé comme ça. J'ai modifié mon propre barbecue que j'avais à la maison après plusieurs recherches, tests et développements. Mais tu le développais pour le sirop d'érable, là? Initialement, oui. Hey, initialement, incroyable. Oui. Puis là, ça a fait l'effet boule de neige, qu'on dit, hein, avec la neige qu'on a présentement. C'est 21 fonctions. On a fait un système de cuisson. On peut appeler ça même une batterie de cuisine pour barbecue. C'est à partir de ces accessoires-là qu'on fait la magie. La magie se passe dans le Father's Cooker. C'est tellement simple à utiliser. Évidemment qu'on a commencé à commercialiser en premier lieu ici au Québec. On voulait que les Québécois profitent de l'innovation québécoise. On a plein de détaillants dans la région de Québec. Là, présentement, on devrait être aux États-Unis d'ici 2-3 mois. En Europe, on a eu la chance de cuisiner pour un chef étoilé Michelin. Ouais. Ça, c'est une très belle expérience de se faire dire « c'est la machine ». Nous, on voulait de quoi d'éco-responsable, d'écologique. On voulait quelque chose de versatile, la polyvalence. On a commencé avec le résidentiel. Puis par la suite, on a dit « pourquoi qu'on ne fait pas son petit frère, le petit bébé, le mini Father's Cooker, le portable ouais. ?» pour offrir, encore une fois, la versatilité aux gens de plaisance, autant pour les chalets. Voilà, les gens peuvent l'apporter dans leur roulotte ou dans leur motorisé, peuvent l'utiliser en camping partout. Là. Tout à fait, tout à fait. Puis il est accrédité comme le résidentiel, multicombustible. On peut même bouillir dedans, faire des cuissons à vapeur. On est les seuls sur le marché à avoir une rôtisserie. Donc, on peut faire un michoui. Qu'est-ce qui n'est pas plus rassembleur autour d'un beau un festin, un repas? Inviter ses amis au camping pour pouvoir célébrer. Father's Cooker, c'est ça. C'est la flamme de Father's Cooker. La famille, rassembleur, des bons festins, des bons repas en famille, des amis. Il n'y a pas de limite. C'est vraiment la joie. On en parle, puis on a le goût d'aller voir. Goût d'aller... Là, on est dans l'entrepôt, ici, à Saint-Augustin, je le rappelle. Et il y en a des centaines, là, ici. Alors, ce qui veut dire que les commandes commencent à rentrer, puis ça va bien, là. Oui. Là, présentement, on est BO, parce qu'on a fourni beaucoup de détaillants. Okay. On a sur le site Father's Cooker. Tous les détaillants qui sont... qui ont acheté ton produit. Qui ont revendeurs, Father's Cooker, sont tous identifiés. Donc, vous ne vendez pas directement au public, vous vendez par l'entremise de vos détaillants. Tout à fait. Au début, on en a vendu parce qu'on avait des gens qui avaient réservé les unités 2 ans avant, à cause encore de la fameuse COVID, malheureusement. Oui, oui. Donc, les fidèles clients, on n'avait pas le choix, on avait fait une promotion de départ. Pour annoncer, pour se faire connaître. Le bouche-à-oreille est toujours bien, hein? Est toujours encore le meilleur vendeur, le bouche-à-oreille. Par la suite, bien, on a eu des distributeurs, pas des distributeurs, excusez-moi, des détaillants. Alors donc, moi, je trouve que c'est un produit extraordinaire. J'ai hâte d'en parler la semaine prochaine. On va montrer ton plus gros, puis l'autre semaine ensuite, on va montrer ton plus petit. Tu vas nous les expliquer. J'ai tellement hâte de jouer là-dedans. Ça va me faire un immense plaisir, M. Comment Bajot. On peut les voir en attendant, là? L'adresse Internet, c'est? C'est Father's Cooker, Father's au pluriel, .com. Donc, le Father's Cooker.com.